Bonsoir à tous. Voilà, je reçois ce soir. Bon, je ne l'aime pas du tout. Il a une tête à baffe, il est insupportable. Je suis allergique. Mais moi, je suis pas comme lui. Moi, je suis neutre. Donc, je reçois tout le monde ici. C'est un espace libre. Je reçois donc pour la polémique le journaliste très neutre Samuel Etienne, qui est ici présent. Salut Samuel. Alors Samuel, alors on va revenir sur la polémique. Donc vous aviez dit, donc vous avez invité donc sur Twitch, hein, c'est ça, François Hollande, Jean Castex, mais il y a une limite. Pas Madame Le Pen, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Voilà, et puis finalement il y a eu un tollé général sur Twitter, donc du coup vous avez fait votre petite chatte, votre petite chiasse, vous êtes revenu en arrière, et puis finalement par trouille vous avez dit, bon bah allez c'est bon, je suis prêt à inviter Madame Le Pen, mais à une seule condition, parce qu'il y a des limites, eh bien... Pas chez moi, voilà, c'est-à-dire éventuellement dans un chiot turc. Ah ben non, elle aime pas les Turcs, donc dans un PMU, voilà, dans un bout de table, voilà, parce que chez vous, bah, c'est dégueulasse, quoi. Chez vous, vous avez peur, quoi. Je veux dire, elle peut manger vos enfants, elle peut saloper votre moquette, enfin bon, c'est consternant. Et alors, pourquoi monsieur Étienne, je voulais vous demander, ah ben non, vous êtes là, pourquoi vous invitez monsieur Hollande que vous ne connaissez pas et vous voulez pas inviter madame Le Pen? Ah mais non, mais parce que Madame Le Pen, je ne la connais pas, et puis Monsieur Hollande le connaît, tout le monde se connaît ici, vous comprenez, entre journaliste et politique, Madame Le Pen, elle fait partie du peuple, je veux dire, c'est la merdasse, c'est en bas, c'est, comme dit mon copain François Hollande, ce sont des descendants, qu'est-ce qu'on a rigolé d'ailleurs, enfin bref. Ok, très bien, merci Samuel, on va s'arrêter là.